Socrate a vécu à la fin du 6e siècle, du 5e siècle et au début du 6e siècle. On a des traces de lui parce qu'il a signé les actes du Concile d'Agde en 506. Et alors il a une jeunesse et une enfance qui ont été quand même... où il a subi pas mal des persécutions des chrétiens par le roi Gaud de l'époque. Et il a tenu bon dans sa foi. Et donc par la ferveur populaire, il est devenu l'évêque de d'Oloron, donc au début du 6e siècle. Et il a été un défenseur de la cité devant les exactions des politiques. À ce moment-là, les rois sont assez difficiles. Et en plus, il a été le défenseur de la foi pour le peuple chrétien de l'Oron, parce qu'à l'époque, il y avait une hérésie qui était l'arianisme, qui avait gagné une bonne couche de la population en Gaule. Et là, ils sont restés fidèles grâce à sa ténacité dans la fidélité à la foi de l'Église. Une très belle fête, et je suis heureux de venir le prier particulièrement pour mon propre ministère épiscopal, puisque par la grâce du Seigneur, je suis son indigne successeur comme évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.